Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment on crochette ces petits champignons un petit peu pointus et comment est-ce qu'on peut les transformer en porte-clés grâce à cette petite boucle là qu'on vient crocheter à la fin du champignon. Donc pour faire ces petits champignons, il vous faudra du fil de coton. Ça peut très bien être une bonne manière de réutiliser vos fins de pelote parce qu'on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de fil. Donc moi là j'ai deux sortes de fils, le fil de chez Obi que je vous montre assez souvent, que j'aime bien, et également là ce petit fil, c'est un fil à paillettes, je pense que vous voyez un petit peu l'effet, que j'ai dû acheter il y a très longtemps dans un magasin de loisirs créatifs. J'ai même plus la petite bande de papier, donc je ne sais pas quelle est la marque. En tout cas, il vous faudra deux ou trois couleurs de fils différentes, un crochet adapté à la taille de votre fil, donc moi j'ai mon crochet numéro 3 favori. Il vous faudra également un petit peu de ouate de rembourrage, donc moi j'aime bien celui-là là en flocon. C'est assez pratique pour rembourrer les petits endroits. Une aiguille ensuite pour rentrer les fils, une paire de ciseaux et puis c'est tout. Donc c'est parti, on va commencer par crocheter le pied de notre champignon. Donc choisissez la couleur que vous voulez pour le pied du champignon. Moi je vais prendre le bleu et on va commencer. On commence par un cercle magique. Donc le cercle magique, je sais que c'est un peu votre bête noire parfois. Moi je... Là, je fais ma technique rapide, mais je mettrai dans la description de la vidéo le lien vers le tuto du cercle magique pour que vous puissiez le faire si jamais vous débutez et que vous avez encore un petit peu de mal avec ce point-là. Donc, une fois qu'on a notre cercle magique, on va venir crocheter 6 mailles serrées. C'est le début classique de beaucoup d'ouvrages. Donc, on crochète 6 mailles serrées dans notre cercle. J'en suis à 4. 5 et 6. J'ai mes 6 mailles serrées dans mon cercle. Je viens resserrer mon cercle magique. Hop, voilà. Et maintenant, au prochain rang, je vais venir crocheter d'abord une maille serrée. Je fais ma maille serrée. Dans la prochaine maille, je fais une augmentation. Donc une augmentation, c'est-à-dire que je fais une première maille serrée, puis une deuxième. Et je vais continuer. Je fais une maille serrée dans la prochaine, puis une augmentation. Et là, j'arrive déjà sur la fin de mon deuxième rang. Je fais une maille serrée dans la prochaine et une augmentation dans ma dernière maille. Vous pouvez très bien utiliser un marqueur de rang si vous voulez marquer le début et la fin de votre rang. Si ça vous aide, c'est tout à fait possible. Donc là, j'avais crocheté 6 mailles serrées dans mon cercle magique. Je viens de faire une maille serrée, une augmentation. J'ai répété ça 3 fois. J'ai 9 mailles sur mon cercle magique. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper là ce petit fil à l'intérieur, qui est à l'intérieur de mon cercle, parce qu'il va m'embêter sinon. Et là, on va crocheter 9 mailles serrées pendant 6 rangs. Donc là, on ne fait plus d'augmentation. On fait une seule maille. Une maille serrée dans chacune de nos mailles et on va faire ça pendant 6 rangs. Donc si vous voulez vous faciliter la tâche et que vous voulez pas mettre de marqueur, vous avez qu'à vous dire que vous allez crocheter 9 x 6, 36, 36 mailles serrées. Non, 9 x 6, 54. 54 mailles serrées. Voilà, donc là j'ai crocheté 9 rangs de 6 mailles serrées, soit 54 mailles serrées et non pas 36. Honte à moi, en plus je fais réviser l'étape de multiplication à ma fille en ce moment, donc je devrais le savoir. Et maintenant que j'ai fait mes 6 rangs de 9 mailles serrées, je vais venir augmenter un petit peu pour élargir le pied de mon champignon. Donc maintenant je vais faire 2 mailles serrées, donc une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la maille qui suit, et dans la troisième je viens faire une augmentation. Donc je crochète 2 mailles serrées. Et je vais répéter ce rythme encore 2 fois. Je fais d'abord une maille serrée, puis une maille serrée dans la prochaine. Et dans la maille qui suit, je fais une augmentation. C'est-à-dire une, puis 2 mailles serrées. Je termine avec 2 mailles serrées, donc une première et une autre dans la maille qui suit. Et dans ma dernière maille, je fais une augmentation.
Donc là, en augmentant 3 fois, je suis passée de 9 mailles serrées à 12 mailles serrées sur le pied de mon champignon. Je vais continuer d'augmenter un petit peu. Je vais faire 3 mailles serrées, donc une maille serrée dans les 3 prochaines. Une, deux et trois. Et dans la prochaine, je fais une augmentation. Et je vais répéter ça encore 2 fois. Donc, je commence par faire 3 mailles serrées. Une, et 3. Et je fais une augmentation. Et je répète ça une troisième fois. Donc, une maille serrée. Deux mailles serrées, trois mailles serrées et je termine par une augmentation. Et là, je suis passée de 12 mailles serrées à 15 mailles serrées sur le pied de mon champignon puisque j'ai à nouveau augmenté 3 fois. Voilà, donc là, on a déjà commencé à élargir la base de notre pied et on va continuer puisqu'on veut obtenir 18 mailles serrées. Donc pour ce dernier rond de notre pied, on va faire 4 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, puis une augmentation. Et à nouveau, quatre mailles serrées, donc une, deux, trois. Et une augmentation. Je ne sais pas si vous voyez, mais je galère un peu à crocheter avec ce fil. Je partage régulièrement mes fils préférés et celui-là, bah, il est joli parce qu'il y a des paillettes, mais clairement, il est très rêche et vraiment plus dur à crocheter que les fils que j'ai l'habitude de crocheter. Et donc, on termine avec à nouveau 4 mailles serrées. Une, deux, 3 et 4 et enfin une augmentation. Donc on avait 15 mailles serrées, on a augmenté 3 fois, on a maintenant 18 mailles sur notre tête de champignon. On termine avec une maille coulée. Voilà, et là on va pouvoir venir juste couper le fil et on a terminé le pied de notre champignon. On coupe le fil, on va pouvoir le rentrer à l'intérieur, on va même pas s'embêter avec de le rentrer avec une aiguille. On va pouvoir rembourrer le pied de notre champignon. Hop. Et on va passer à la tête du champignon. Donc vous voyez, c'est vraiment facile à faire, c'est adapté aux débutants parce qu'on crochète en maille serrée, donc c'est vraiment pas compliqué. Voilà pour le pied de mon champignon et je viendrai tout à l'heure l'assembler avec la tête. Voilà. Donc maintenant, pour faire la tête du champignon, on va prendre une autre couleur. Donc moi, je vais prendre du mauve. Et on commence à nouveau par un cercle magique. Donc c'est reparti pour le cercle magique. Et dans celui-là, on va crocheter non pas 6 mailles serrées, mais 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Parce qu'on veut que le haut de notre chapeau soit bien pointu, donc on fait un cercle magique plus petit. Une fois que j'ai mes 5 mailles serrées, je vais faire pour le deuxième rang 1 maille serrée
puis une augmentation. Je répète ce rythme de une maille serrée, une augmentation. Et je termine avec une maille serrée. J'avais 5 mailles serrées sur mon cercle, j'en ai maintenant 7. Et on va augmenter comme ça, vraiment très progressivement. Pour le rang d'après, je vais faire 2 mailles serrées, 1 et 2, puis une augmentation. Je répète à nouveau 2 mailles serrées, une augmentation. Et je termine à nouveau par une maille serrée. Voilà, donc là j'ai fait mon troisième rang. Vous voyez, on a le début de notre petit chapeau qui commence. Pareil, je vais couper le fil là, le fil du cercle magique, parce qu'il va m'embêter. Moi, j'utilise pas de marqueur de rang là, parce qu'on crochète peu de mailles et ça m'embête, mais c'est aussi parce que j'ai l'habitude de crocheter. Donc si ça vous aide à savoir où vous en êtes pour marquer le début du rang, évidemment, n'hésitez pas à utiliser un marqueur de rang. Pour le rang qui suit, on va crocheter 3 mailles serrées. Puis une augmentation. Et à nouveau 3 mailles serrées. Mince, ma troisième maille serrée. Une augmentation. Et je termine par une maille serrée. Donc là, à ce stade, j'ai 11 mailles sur mon crochet. Je continue, donc j'espace à chaque fois mes augmentations. Donc là, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, puis une augmentation. Et à nouveau, 4 mailles serrées. 1, 2, 4 et une augmentation. Et je termine par une maille serrée. Je continue. Maintenant, je vais faire 5 mailles serrées puis une augmentation. Une, deux, et une augmentation. Et à nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, et une augmentation. Et je termine à nouveau par une maille serrée. Alors, maintenant, on va encore... Hop, j'ai mon petit fil du début qui ressort un peu. Voilà. Maintenant, on va faire 6 mailles serrées, puis une augmentation. Une, deux, 5, 6 et une augmentation. Et je répète. 1, 2, 3, 4, 5,
et une augmentation. Et je termine par une maille serrée. Donc là, vous commencez à voir le petit chapeau de votre champignon. Pour le prochain rang, je vais faire une augmentation. Donc je commence par mon augmentation. Et je fais 16 mailles serrées. J'en suis à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Il ne nous reste plus qu'un seul rang à faire pour terminer le chapeau de notre champignon. On va faire 18 mailles serrées. Donc on fait 18 mailles serrées. Là, on ne s'embête pas, on n'augmente pas. On fait juste un rang supplémentaire. Quand vous avez crocheté vos 18 mailles serrées, vous avez terminé votre petit chapeau. Vous pouvez couper le fil en gardant une vingtaine de centimètres. Et on va assembler le pied et le chapeau. Alors on peut déjà rembourrer un petit peu le chapeau. Et on va venir les assembler à l'aiguille. Je trouve ça plus simple sur un petit ouvrage comme ça d'assembler à l'aiguille que d'assembler avec des mailles serrées ou des mailles coulées. Mais si vous préférez, évidemment, vous faites bien ce que vous voulez. Hop. Allez, j'ai rembourré mon petit chapeau, je récupère mon pied. Je fais coïncider, voilà, les deux ouvertures. J'enlève un petit peu de rembourrage. Et je viens attraper une aiguille pour l'assemblage. Donc je vais essayer de vous montrer ma technique. Hop, moi je passe sous les deux brins. Là, sous les deux brins du chapeau et sous les deux brins du pied. Et je viens tout simplement faire la même chose, maille après maille, pour assembler mes deux éléments. Ça, je vous montre ma technique. Elle n'est pas... Elle n'est pas certifiée si vous êtes habitué à coudre ou à broder et que vous avez une autre technique, évidemment, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi, je suis preneuse de nouvelles techniques. Ça m'intéresse. Et à la toute fin, quand vous avez terminé d'assembler la tête et le pied, vous pouvez juste venir glisser le fil, le faire ressortir à l'opposé et le couper à ras. Donc là, en fonction du rembourrage que vous avez fait, vous allez pouvoir venir un peu le mettre en forme pour lui donner la forme de champignon que vous préférez. Voilà, moi j'aime bien quand il est un petit peu pointu comme ça. Alors, c'est très bizarre parce que là, avec la lumière, j'ai l'impression qu'on ne voit pas du tout le contraste entre le mauve et le bleu. On dirait presque que c'est de la même couleur. Pour terminer notre petit champignon, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est crocheter une petite boucle sur le dessus pour pouvoir s'en servir comme porte-clés. Donc, pour la boucle, on va venir piquer vraiment... Donc pour la boucle, vous faites 6 mailles en l'air en gardant un petit peu de fil avant votre nœud coulant. Donc vous faites votre nœud coulant en gardant du fil ici.
Vous allez crocheter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous fermez avec une maille coulée pour créer une petite boucle. Et vous coupez en gardant pareil un petit peu de fil. Donc là, on a créé notre petite boucle. Et cette petite boucle, on va venir la fixer comme ça sur le haut de notre champignon. On va se servir des deux fils pour venir la fixer. Voilà, donc je pique sur le haut de mon champignon. Et je viens fixer ma petite boule comme ça. Ma petite boucle, pardon, comme ça. Mon aiguille est peut-être un petit peu grosse par rapport au haut de mon champignon. Voilà, donc on fait plusieurs passages avec le fil pour vraiment bien fixer la boucle. Une fois que ce côté-là est bien fixé, mais je vais faire pareil avec l'autre. Voilà, une fois que votre petite boucle qu'on voit ici est fixée sur le haut de votre champignon, bah vous n'avez plus qu'à rentrer les fils, à les couper, et vous avez votre petit porte-clés champignon qui est prêt à être accroché à votre trousseau. Donc ce que j'adore dans ce projet, c'est que c'est un petit projet fun, alors ça prend une trentaine de minutes à peu près à crocheter. C'est mignon, c'est déclinable dans plein de couleurs, ça fait encore une super idée cadeau, un petit peu comme les porte-clés cœur que je vous avais montré il y a quelques semaines. Voilà, bah, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit cœur si jamais c'est le cas, et je vous souhaite un bon crochet. À bientôt.